écouté le témoignage d'une sœur et le message que Dieu lui a donné, une vision qu'elle a reçue. Hein, donc, elle m'en a parlé ce samedi et puis je lui ai proposé de le partager si elle le voulait. Et ce soir, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère. Bonsoir. Voilà, donc la caméra elle est juste là. Bonsoir, cher frère. Je suis la sœur Virginie. Voilà, parfait, nickel. Je suis la sœur Virginie. Donc pour commencer, j'aimerais d'abord vous dire que je viens de connaître l'église, enfin l'évangile de réveil, parce que je suis née, enfin j'étais née catholique, grandi catholique. Aujourd'hui, j'ai 49 ans. Depuis le 16 juillet 60, enfin, je suis née le 16 juillet 75, donc j'ai eu mes 49 ans le 16 juillet passé. Donc j'étais née dans une religion catholique, grandi catholique, père catholique, mère catholique, donc 100% catholique. J'ai jamais entendu l'évangile ailleurs, donc je suis restée dans cette religion. Et si aujourd'hui je peux vous confirmer que je suis venue ici au Réunion de Réveil à Évry à partir du mois de juin, la toute première semaine du mois de juin, et dès que je suis venue, j'ai entendu le message et je suis sortie de là. Donc depuis que je suis venue ici, je ne suis plus repartie dans l'église catholique. J'avais des chapelets à la maison, des médailles, beaucoup d'autres choses, et j'ai tout mis dans la poubelle. Entre-temps, j'aimerais aussi me faire signaler, j'étais passée dans une assemblée à Stain. J'ai fait peut-être 3 à 4 mois. Il n'y avait pas l'évangile. Sinon, quand j'y partais, j'allais plus repartir dans l'église catholique. Donc, au même moment, je partais dans cette église. Au même moment, je partais à l'église. Enfin, au même moment, je partais dans cette église de réveil, dite de réveil. Au même moment, je suis restée catholique. Mais dès que j'ai franchi mes pieds ici, franchement, il y a eu un grand changement dans ma vie. Et aussi, j'ai reçu une guérison du cœur. Parce que j'avais des douleurs, j'étais en deuil suite à beaucoup de situations. Mais quand j'ai entendu la parole, c'est cette parole que j'ai entendue qui a libéré mon cœur. Et quand j'ai reçu ma guérison du cœur, j'ai commencé à recevoir beaucoup de choses de la part du Seigneur. Donc là, ce que je voulais témoigner, c'est un rêve que j'ai fait le lundi 3 au mardi 4, donc dans la nuit du lundi 3. Donc depuis le samedi du 8, j'allais parler aux frères, mais j'ai hésité. J'allais faire un courrier, je me suis dit, c'est pas un bon rêve pour faire par courrier. Je préfère voir le frère. Et ce samedi, j'ai attendu le frère. J'étais là à attendre le frère, mais un moment, j'ai eu comme un peu de la trouille. J'ai voulu me retirer. Je me suis dit, non, il faut que j'en parle au frère. J'ai parlé au frère en long et rapidement. Et le frère m'a invité parce que je sais que c'est un homme de Dieu. C'est pas du mensonge, c'est pas un rêve peut-être sorti d'un film de cinéma. Donc, dans le rêve, il y avait le frère Shura et 3 autres frères et une sœur. Donc, au total, ils étaient 4. Dans le rêve, ils étaient dans une jungle, donc vraiment une forêt hostile, très hostile. Il y avait des lianes, il y avait des araignées géantes. Il y avait des serpents qui pouvaient faire la taille, 5 fois la taille du serpent anaconda. Franchement, même moi, en voyant cette vision, je ne sais pas comment j'ai pas eu peur dans le rêve. J'ai vu des trucs bizarres, des ossements, des odeurs bizarres, des feuilles mortes, des branches, des pourritures, des cadavres. Il y avait des serpents, vraiment beaucoup de serpents. Cette jungle était vraiment, vraiment infestée. C'était horrible. Il y avait des lianes, le chemin était vraiment difficile. Mais il n'y avait que 4 personnes. Donc le frère Chora et 2 autres frères et une sœur. Dans cette jungle, comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose. Je sais pas, je ne savais pas encore dans le rêve ce que c'était. Donc ils étaient à la recherche de quelque chose, mais eux, ils n'étaient pas chargés. Ils avaient juste leurs vêtements et le frère Chora avait à la main une lampe de poche, mais à longue portée. Parce que tout était vraiment obscur. À partir de cette lampe, il pouvait éclairer et voir une bonne distance. Donc il y avait vraiment un rayon de lumière. Et dans cette jungle, ils étaient en train de marcher, marcher, marcher. Ils se sont retrouvés face à des serpents, des serpents, des gros, très gros serpents,
Ces serpents voulaient les intimider, mais eux, ils ne se défendaient pas, ils n'avaient pas peur. Aucune de toutes les personnes qui étaient avec le frère Chora avait peur. Donc ces serpents, ils voulaient les intimider, mais après, ces serpents, ils tombaient. Ça tombait comme des arbres, des gros arbres qui sont dans la forêt. Donc ces serpents tombaient d'eux-mêmes. Ces serpents tombaient, ils mouraient. Ils tombaient, ils mouraient. Certains serpents, ils déviaient déjà à beaucoup de mètres avant même qu'ils arrivent vers le frère Chora. Ces serpents, ils déviaient, ils changeaient de trajectoire. Et le frère et les autres, ils n'étaient pas effrayés. Ils ont continué leur recherche. Un moment, ils ont escaladé un mur. C'était un mur, je n'ai jamais vu ce genre de mur. C'était vraiment, vraiment un gros mur, mais c'était en briques. Ce que j'ai vu, c'était un mur en briques, mais des briques nues. On pouvait bien voir la jointure du ciment, là où les briques se sont fixées. Et ils se sont retrouvés au-dessus du mur. Et le frère Chora, à l'aide de sa lampe, il éclairait le bas, comme si la base du mur. Et les autres frères, ils étaient en bas, ils étaient à la recherche de quelque chose. Et le frère Chora, il indiquait le chemin aux autres, il donnait des instructions, vraiment dans le rêve. Tous, ils travaillaient en équipe, mais le frère Chora, il était... C'est lui qui dirigeait, qui donnait les instructions. Et les autres aussi, ils ont fait comme le frère a demandé. Et à un moment, j'ai vu les quatre personnes, donc le frère Chora, les deux frères et la sœur, ils se sont retrouvés au bord d'un sentier, mais toujours dans cette forêt. Et ils avaient avec eux un coffret. Vraiment, le coffret, il n'était pas plus grand que la pochette qu'à mon frère. Et quand ils se sont retrouvés au bord du sentier, les autres frères, donc la sœur et les deux frères, ils se sont dit, on va un peu se reposer. Juste se reposer, pas pour dormir, mais pour soupirer un petit peu. Et quand ils sont restés assis, mais le frère, il est resté éveillé. Donc tout était obscur, mais il y avait cette lampe avec lui qui donnait vraiment de la lumière, parce que même moi, dans le rêve, je voyais à travers sa lampe. Et le frère a dit, je ne vais pas dormir, je reste éveillé, mais il faut que je regarde ce qui est à l'intérieur de ce coffret. Et quand le frère Chora, il a ouvert le coffret à l'aide de sa main gauche, et par la main droite, il avait sa lampe. Et quand il a ouvert le coffret, moi j'ai vu les écrits qui étaient en lettres d'or, mais c'était écrit en anglais. Moi déjà, je connais l'anglais, mais c'est juste le niveau scolaire. C'était écrit en anglais, je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à prononcer, mais c'était « Bible of Jésus-Christ ». Et en bas, il y avait un sous-titre qui disait « Mémoire of Révélation ». Mais le « mémoire », c'était en anglais. Moi, dans ma vision, dans mon rêve, je m'étais bloqué sur le mot « mémoire ». Dans mon rêve, j'étais bloqué sur le mot « mémoire » parce que c'était en anglais. Je me suis dit « mémoire ». Et j'ai entendu une voix me dire « la façon ». La manière dont Jésus-Christ a été révélé. Et je me suis réveillée net à ce moment. J'avais peur, mais pas peur comme si on a vu les démons. Mais j'étais quand même bousculée de voir ça. Parce que c'était grandiose ce que j'avais vu. Et j'ai regardé la montre, il était 2h26. Je me suis mise à prier et jusqu'à 5h du matin. Au départ, je me suis dit, ce que j'ai vu, c'est pour moi, certainement. Et quand je suis arrivée à la prière... Après les prêches, je me suis dit non, ça ne peut pas être pour moi, parce que même le samedi, quand le frère l'a dit, le message est vraiment combattu, et les personnes qui ne veulent pas que le message arrive, et c'est ce qui a de ces gros serpents, je pense, mais je ne peux pas, parce que je ne suis pas trop spirituelle, dans la mesure où je ne peux pas expliquer le front en comble, mais je pense que les personnes qui m'écoutent, qui sont vraiment dans la prière, ils peuvent vraiment comprendre ce rêve. Et donc, le rêve s'est arrêté là. Et j'ai vraiment prié et j'ai eu la peur de ma vie, pas dans la mesure d'avoir peur des démons, mais de me dire que Dieu existe. Parce que je ne pouvais pas voir ces choses. Moi, hier, je connaissais rien de la parole de Dieu. Donc, c'est ça que je voulais partager. Et en dehors de ça, je voulais ajouter, parce que ce n'est pas le seul rêve que j'ai fait sur la Bible. Il y a 2 mois, j'avais fait un rêve sur la Bible aussi. Donc les frères, ils attendaient la Bible, les Bibles qu'ils avaient commandées.
Et pendant qu'ils attendaient, le convoi était en route et il y a eu des gens qui ont intercepté le convoi. Quand ils ont intercepté le convoi, ils se sont dit, oh là là, on a eu le pactole. Il y a certains qui se disaient, on va prendre ces Bibles, changer juste la couverture et on va les vendre. Et ils se disaient, on va les vendre. Ils visaient Madagascar et Afrique. C'est ça qu'ils disaient dans le rêve. Il y a d'autres qui disaient, cette Bible ne doit pas arriver aux mains des chrétiens. Parce que si cette Bible arrive, c'est la révélation et nous, on ne verra plus rien. Mais je n'avais pas eu l'occasion de venir expliquer le rêve parce que je m'étais mise dans la prière. Je m'étais dit, les frères, ils sont certainement dans la prière et les choses vont bien se passer. Je priais juste sur ce sujet et c'était ça. Mais par contre, je ne vais pas garder le micro pendant longtemps, mais ce matin, avant de venir, parce que je savais que je dois passer pour témoigner, pour parler, pour donner ce message, je m'étais mal réveillée parce qu'à 5 heures du matin, je m'étais réveillée avec la trouille. Je m'étais réveillée avec la trouille, comme s'il y a un esprit qui me disait, on va t'enlever ce rêve dans ta tête et tu n'auras plus rien à dire. Ce message ne doit pas être entendu. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, il faut que j'aille, que je donne ce message parce que ce n'est pas pour moi. Donc c'est ça que je tenais à partager. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Mmh. Et